Santé, toujours la même salutation d'usage à chacun de vous, quel que soit où vous nous recevez. Merci d'être présent devant vos téléviseurs à suivre nos programmes tous les jours. Nous sommes la première chaîne européenne de la communauté haïtienne. Mon nom c'est Hilroy Franklin, J-Dams. Aujourd'hui, je vous présente votre émission Cap vers l'avenir. Une édition spéciale d'un événement qui n'avait presque pas laissé indifférent la planète tout entière. Malheureusement, contrairement à d'autres communautés, dorénavant, la fatalité nous contraint de démarrer nos années avec un souvenir très sanglant et même catastrophique. Il s'agit du séisme du 12 janvier 2010. 10 ans déjà depuis que nos parents, nos frères et sœurs, nos cousins et cousines, nos professeurs, des époux et des épouses, des voisins et des amis ont péri dans la douleur. Mutilés, amputés, estropiés, dénudés, 10 ans déjà. Haïti, qu'était-elle avant? Qu'est-ce qu'elle est encore aujourd'hui? Et que sera-t-elle? Telle est notre mission pour ce soir dans cette édition spéciale de Cap vers l'avenir à l'occasion de l'anniversaire du décade de cet épouvantable séisme. Grâce à nos différents invités aujourd'hui sur le plateau de Cap vers l'avenir, nous tenterons de vous faire revivre en images des émotions, des espérances et même des perspectives. Nous allons observer notre première pause afin de nous remettre de quelques émotions. Et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de cette édition spéciale. Nous sommes de retour après cette petite pause. Nous voici à l'heure maintenant de recevoir nos invités pour cette émission spéciale anniversaire 12 janvier 2010. Bonsoir Patrick Akrek. Bonsoir Didem, bonsoir la communauté haïtienne et je vous remercie de m'avoir invité pour cette très belle émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et également sur le plateau, Laurie, spécial Laurie pour et les artistes, c'est ça? Oui, c'est ça. Bonsoir Laurie. Ben, bonsoir à vous et puis merci pour l'invitation et puis je suis très contente d'être parmi vous. Voilà. Alors, on va se tutoyer hein, Laurie, hein, okay, d'accord? Il n'y a pas de souci. Et à tout seigneur, à tout honneur, nous recevons un jeune qui a vécu le séisme en Haïti. Il s'agit de Pierre Edson à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Merci, le nom c'est Pierre-Louis Edson. Eh bien, on va commencer par des gens qui ont vécu ce moment difficile. Nous vous présentons Edson, encore une fois, tu étais en Haïti. Ah, oui. On peut discuter en créole même, pourquoi pas, sur le plateau. D'accord. Où tu es en Haïti lorsque tu es frappé Haïti à 17h, pile poil exactement, où tu es là? Donc malheureusement, c'est un très mauvais souvenir, c'est un très mauvais exercice parce que c'est la première fois dans la vie, moi, que je vis une expérience pareille en Haïti. Et ça qui est plus difficile là, c'est que le tremblement de terre là, passé à l'heure, ça a fait, je me suis rendu compte que c'était ça. Alors sans trop de discrétion, tu es avec quel âge? Je ne donne pas mon âge. Alors, c'est pour te placer dans le contexte d'une reconnaissance naturelle de cet événement, parce que
tu es très jeune, Edson. À un certain âge, tu ne pouvais pas eu trop d'émotions. Par exemple, si tu avais 7 ans, 8 ans en ce moment, puisque ça fait déjà 10 ans depuis que ce séisme a ravagé Haïti, sous pas de l'âge de compréhension, là, difficile pour exprimer et ça que tu es censé. Mais est-ce que tu as une connaissance exacte de moment? Est-ce que tu as expliqué nous qui sortait ressenti? Comment tu as vécu ce moment? Si vous voulez m'expliquer exactement ce qui s'est passé, peut-être que j'ai âgé entre 18 et 19 ans, parce que là, ça, je me rappelle que j'étais dans la première année, je m'a sauté l'école, et puis je me suis sacré les camionnettes, tap-tap, c'est des gens qui sont ici, on va comprendre ce que ça veut dire tap-tap. Le monter la dame, et puis à arriver là en zone que tout le monde connaît, très populaire, qui est les Portails-Léogane. Portails-Léogane, oui, exactement. Et puis je me sentis. Communément appelé Kosovo. Et puis je me sentis que. À trembler et puis heureusement pour nous dans la rue et puis premier réflexe là c'est que je pas contre ça honnêtement pas me ça qui en Haïti il y a deux zones là était là dedans lorsque tracteur ou bien gros machine qui poids lourd ça ne les poids lourd il a passé dépendamment de genre passé là ça connait que au secrétaire yo fait carré la trembler dans l'esprit pas c'est ça me penser mais c'est lorsque moi secousse yo yo continuer à faire lui tu as des répliques. Voilà. C'est juste ça que nous t'apprenons. Et puis, on descend. Et puis, le gars dit, moi, quand il va tomber, boy, c'est heureusement pour moi, je suis dans la rue avant. Je pense que mon réflexe, parce que je ne suis pas éduqué, je ne suis pas instruit assez pour me comprendre son tremblement de terre. Où est quand il va tomber même? Oui, exactement. Moi, quand il va tomber, pao, je suis sorti, je descends dans la machine, je suis fait à ramper. Et puis après ça, quand il va tomber, boy, ici, et puis automatiquement, quand il va finir de tomber, je ne suis rien. Donc on est ces poussières béton, des combios qui viennent faire des amas de gravats, de béton. Exactement. Donc ça qui est intéressant, c'est parce que moi, tout chauffeur dans un moment, il était campé. Bon, peut-être qu'il n'y a pas de salte, il était campé. Donc on est obligé de camper sous place pendant un bon moment, peut-être 3 à 5 minutes. Pour me faire un petit temps, pour me dire, je vais camper là. Et puis le me camper là, le ça finit de passer. Tout ça. Et bah, à la fin de passer, quand il y a un côté malé, quand il y a une bonne direction, mal là quand même. Voilà. Est-ce que tu as une conscience que son séisme a passé là? Donc, je pense que 5 à 10 minutes après, je comprends que son tremblement de terre parce que il vient dans la bouche de tout le monde. Tout le monde a dit, ah, mon tremblement de terre a passé. Donc, quand il y a là, deuxième réflexe, moi, c'est arrivé là quand même, parce que moi, quand il est tombé, je dis que non, quand il est dit qui dalle, c'est ça? Béton. Qui est en béton. Béton, ouais. Oui, réflexe ça c'est arrivé là quand même pour vérifier est-ce que mon la quand même safe? Est-ce que en sécurité? Donc on courit. Allez, ça qui était mon petit espoir c'est parce que le m'a privé peut-être à moins d'un kilomètre de la quand même, l'a privé la quand même, une possibilité pour moi quand là et puis pendant m'a privé moi quand là camper. Je suis sûr que le ça était dans 16h, donc on était mon petit frère moi qui finit l'école. Puis bonheur, ça veut dire que le lancé là, donc ça veut dire que donc on n'a quand même pas gagné. Hein. Donc à moins que vous payez dans la rue, mais là c'est dans mon lieu d'espoir. Donc, ou même, parce que faut que nous replacer nous et que les spectateurs dans le contexte histoire que vous racontez nous, et son, où tu as sorti, non, faculté, c'est exactement. Ça? Donc, qui faculté ou à l'Institut des hautes études commerciales et économiques. Est-ce que faculté ça, lui-même, il n'a pas subi séisme tout? Est-ce qu'il est campé? Est-ce qu'il résistait à ces histoires? Ben, raconte un lion. Pas une anecdote, mais qui triste dans sa mabzo là. Je me suis dit que c'était catastrophe. Tout le monde a venu, tout le monde a cherché. Et là, ça 2010, au niveau communication, il n'est pas aussi fréquent que mon utilisé Facebook. Et puis même téléphone, c'était au rabais, où ça a fonctionné. Le lendemain, après ça, je me levais, je décidais pour me faire une petite visite avec un ami, tout le monde connaît, Grégory Jean-Philippe, okay. Qui est l'actuel animateur. À qui n'a pas salué monsieur le passage. Best friend, moi. Donc, le nom, monter la donne, le regarder, je me suis gagné, et je me directeur de l'université, c'est Raoul Berouet, feu Raoul Berouet, à l'époque. Et puis qui mourit, qui était dans le bureau, lit, malheureusement. Et, donc c'est une partie avec un bon en faculté à tout? Exactement, c'est déjà une partie dans le bon la donne. Et dans le bureau côté de l'IA, il est fondé sur lui, malheureusement. C'est là que j'ai besoin
placer téléspectateurs dans un contexte histoire pour raconter nous. Ça veut dire que ou même ou sont rescapés de séisme, non? Donc si que ou pas quitter faculté à temps, ou t'es capable victime tout, ou t'es capable mourir tout dans passage séisme non, en dans faculté à ou même tout. Exactement. Nous pas le retourner dans émotion comment tu ressenti ou l'op machine là ya ouais mon après l'amour et nous pas le retourner vers ou même pendant que nous même nous pas le transporter nous dans pays étranger pour nous joindre avec Patrick Akek lui même qui t'a vive moment ça il pas en Haïti comment moun qui à l'étranger comment tu ressenti et question tremblement de terre ça qui t'a passé en Haïti dans moment ça Patrick une fois. Oui, bonsoir. Merci encore d'être là. Merci du fait que vous acceptez pour venir témoigner dans 10 ans qui anniversaire CIPSAN. Ça fait 10 ans depuis que le passe en Haïti. Vous avez peu de souvenirs ou bien vous songez encore et ça a tant coûté hier? Bon, je suis capable de dire que moi, toujours gardé et en mémoire, donc situation qui est frappée nous et c'est chaque fois. Moi, c'est que ça, c'est que nous avons pensé chaque jour. Je ne sais pas si chaque 10 ans, parce que ça fait 10 ans, parce que nous nous rappelons. Et 12. 12 janvier 2010, oui. À 12 janvier 2020, ça fait donc quoi 10 ans, ça fait 10 ans. Alors, et en pile, Fred Oyo, Cablier, ça t'est arrivé. Parce que même si on voyage en pile, chaque fois que je suis en Haïti, je rencontre des gens qui sont handicapés. Je suis toujours à poser des questions. Et je toujours bon même réponse là. Et ça, c'est. En bas de compréhension, ça a été cassé, ça a été cassé. Donc, nous avons recevoir et donner ça très mal ici en France. Alors, justement, Patrick, pendant que nous recevoir de ça, qui côté et dans qui le taillé pour vous lorsque vous apprenez un séisme qui frappe Haïti? Alors, c'est ça passé aux alentours de 16h et quelques minutes en Haïti. Oui. Et qui t'a fait pour nous 11h du soir. Et le taillé. Vous avez dormi les salons? Non. Non, laisse ça, nous avons regardé un match de football. Nous avons dit qu'il y a un tremblement de terre en Haïti. Réflexe, c'est prendre téléphone, donc relais en Haïti. Ou tu penses au sérieux ou pas? Et oui, je pense au sérieux parce que Haïti est toujours menacé dans le genre de bagages. Et puis, le monde qui est relais maintenant, ce n'est pas le monde qui a menti. Il dit qu'il y a un tremblement de terre en Haïti, il n'y a pas de contact avec le monde. Donc, le monde a vécu en Haïti lui-même? Là, ou bien. Le monde a vécu en Haïti. Tu as vécu en Haïti? C'est ok. Vrai. C'est ok. D'accord. Il dit qu'il y a un tremblement de terre, il n'y a pas de contact. Avec maman, donc est-ce que moi-même qui a fait contact avec maman? D'accord. C'est ce qu'il aime faire contact et c'est une mauvaise nouvelle que après moi, maman t'a balayé comme. Oh là. Donc c'est pas un bagage qu'on ne t'a pas oublié. Oh à part que maman, il y a un seul qui mourit dans l'hôpital le lendemain. Oh là. Dans même circonstance ça. C'est triste. Et ça, c'était triste. Donc c'est une raison. Parce que c'est 10 ans aussi anniversaire, l'an mort, ce où. Qui mourut dans circonstances ça. Capable dire c'est même pas 10 ans anniversaire, c'est tous les jours que tous les jours on va vivre avec deuil ça. Deuil ça. OK. Et parce que tout haïtien doit prendre conscience des situations ça qui nous et qui ça nous compte faire et au cas où ça t'a reproduit. On va venir sur ça. Donc c'est là que nous besoin comprendre tes spectateurs yo, côté que chaque monde qui vive que ce soit en Haïti ou bien en pays étranger. Nous avons une histoire, même j'ai avec Patrick Akek pour nous raconter. Nous avons une histoire, même j'ai avec Edson pour nous raconter. Parce que nous, chaque te recevoir et information ça, ne façon pas nous, et en fonction de qui nous sommes. Et tout. Et c'est pour une raison ça. Juste avant que nous prenions témoignage Laurie sous plateau, nous avons invité nous pour que nous suivions mini reportage ça, qui tournait par. Nos confrères de Port-au-Prince, alors des médias de Port-au-Prince, qui vont aider nous à replacer nous dans le contexte. Restez branchés. N'abtout.
ce séisme, ce très fort séisme, magnitude 7, qui vient de frapper Haïti. On en parlait juste avant le flash, et vous nous disiez notamment que l'aéroport est maintenant contrôlé par les Américains. Nous étions en plein travail lorsque nous entendions un bruit comme si c'était des engins lourds qui passent au dehors, goudou goudou goudou. Et quand nous sommes sortis au dehors, nous voyons que des maisons qui balancent, font des va-et-vient, et puis c'est la catastrophe. Beaucoup de maisons sont endommagées, effondrées, et il y a des gens à l'intérieur de cette maison. Il y a beaucoup de maisons effondrées. Moi, j'étais en train de déblayer afin de mettre les survivants au dehors, mais il y a aussi des morts. Et jusqu'à présent, nous ne sommes pas en mesure de les mettre à l'intérieur. Le cas dépasse les dirigeants du pays. Vous voyez, à chaque 15, 20, 50 mètres, à gauche et à droite, on voit des cadavres. Ça a été comme le début d'une fin du monde, en fait. Hein. Alors que tout avait l'apparence de bien aller, ben, d'un coup, c'est parti, et puis bon, c'est le chaos. En fait, moi, j'ai failli perdre mon fils, c'est d'extrême justesse que je suis parvenu à le sauver. Bon, là, c'est la panique totale, on est obligé de passer la nuit dehors. Mais là, on essaie de tenir, c'est tout à fait inexplicable ce qui s'est passé. On est dans un second building des Nations Unies. Donc c'est le building des PNUD, programme des Nations Unies pour le développement. Donc si vous voyez, environ 4 étages s'effondrent. Donc jusqu'à présent, il y a des personnes se trouvant à l'intérieur de ce bâtiment. Donc les agents de sécurité qui étaient sur les lieux, nous avons pu faire sortir environ une quinzaine de personnes. Et il y avait plus d'une trentaine, ce que nous a rapporté. Mais on n'a pas les chiffres exacts. Et si vous voyez ce petit trou, nous avons pu creuser avec échelle ce petit trou pour faire sortir le maximum de gens possible. Mais le problème qui se pose, nous ne pouvons pas pénétrer jusqu'aux gens. Donc c'est pour cette raison, ce sont des gens qui peuvent ramper. Que nous pouvons mettre dehors jusqu'à présent. Hier, il était aux environs de 11h. Nous avons pu faire sortir un survivant. Bon, les morts, ils sont morts, malheureusement, Père Laurent, mais le problème des blessés, c'est qu'ils vont mourir. On en a vu, nous, ils avaient des plaques de béton sur les jambes. On ne peut pas, humainement, on ne peut pas enlever les plaques. Donc, il faut des engins mécaniques qui tardent trop à venir. Et quand les engins vont venir, il va être trop tard. Les gens vont être morts. L'immensité des moyens humains et matériels dont on a besoin pour sauver, au fond, quelques vies. Ça fait des heures de travail, des moyens très compliqués à mettre en œuvre parce que c'est quand même du béton armé qu'il faut découper. Et puis, au bout du compte, une vie, deux vies. Donc, à l'échelle de ce cataclysme, il faudrait qu'on puisse avoir des moyens, mais c'est fou, quoi. Je crois qu'après, il faudra poser la question quand même de qu'est-ce qu'on fait pour Haïti, pour que Haïti, qui est placé comme il est placé sur la planète et qui est susceptible d'avoir des catastrophes comme ça, en renouvellement hélas, et puis cet état de dénuement, ce pays très pauvre, il va falloir évidemment qu'on change d'échelle à un moment donné. Ça a été aussi l'appel de Nicolas Sarkozy à Barack Obama, au Brésil, aux Canadiens. Pour que vraiment on mette en place des moyens très importants pour reconstruire Haïti dans des normes modernes qui permettent de répondre à éventuellement d'autres catastrophes. Le pays n'est plus à genoux, il n'est plus à plat, il n'y a plus de pays Haïti. Haïti, voilà, c'est un bout de terre où il y a des gens et et des encombrements, des immeubles tombés, des maisons tombées, et il y a tout à refaire.
Voilà, nous tenons, chers téléspectateurs de H-Live, nous avons une édition spéciale 10 ans séisme qui a été ravagé Haïti le 12 janvier 2010. Nous avons sous plateau Patrick Akrek, nous avons Laurie les artistes et également Edson Pierre-Louis qui a témoigné de l'anniversaire, comment lui-même a été vivre le moment ça. Et nous allons parler dans quelques instants comment nous prévoir ouais, Haïti 10 ans encore qui va venir là. Nous avec Laurie. Laurie, encore bonsoir. Et bonsoir. Et vous, merci bonsoir. Parce que vous là et pour témoignage port sous qui Jean. Que ou même ou te recevoir nouvelle parce que ou même vous connaissez que ou pas en Haïti là ça. Non, pas en Haïti ou... parce que nous sommes qui grandit en France. Oui. Mais en France très jeune. Et me vécu ça comme on dit très mal parce que là m'apprendre nouvelle là, je crois que c'était très tôt le matin pas le travail. Et puis garder information avant de passer parce qu'on sait jamais. Alors, juste avant que vous continuiez pour que téléspectateurs cap comprennent niveau émotion, est-ce que vous avez une famille toujours en Haïti? J'ai un monde très proche moi. Qui mourit dans ces. Mon bagain ou bagain papa maman non, en Haïti. Bagain frère son en Haïti. Non, non, mais tout le monde est ici. Donc mon gain quand même des personnes qui très proches proche à vous-même. Oui. D'accord. Qui quand même décédé dans. Donc finalement qui côté les nouvelles là venues nous? En France, à Paris. OK, où tu es couché, où tu as dormi ou bien tu es dans travail? Non, j'étais levé, mettais information avant de partir parce que moi j'aime toujours faire habituellement avant de partir, j'aime toujours aller me télé pour me connaître ça parti, ça passé avant que me sortir, on donc, sait jamais. Ou même c'est télévision qui font qui font comme ça. Oui. OK. Et puis je me tout dit tout le monde, il y a un problème à Haïti, levé puis me les proches moi me dit nous même qui là pour pas le travail là, mettais information parce que nous gens qui diffuser ba yo en boucle comme bon site pas les noms et me dit tout entendez et puis m'appeler nous plus tard pour nous m'amener toute information parce que m'obligé à travailler. Et puis arrivé puis à l'époque nous t'ai un petit téléphone, nous t'ai capable gagner information de temps en temps. Et c'est là que n'apprend nouvelle là, mais c'était quand même un choc qui était là ça. Alors, qui leur comprendre Laurie son bagage sérieux. Passer en Haïti là, qu'ils comprennent ça. Parce que c'est pas la première fois qu'il y a un petit tremblement de terre qui a passé en Haïti. Mais qu'ils comprennent que cette fois-ci, tremblement de terre ça, il n'est pas semblé avec l'autre jour. Ah ben, là nous avons regardé après l'image, nous avons parlé, nous crasé, tout bas écrasé, tout le monde, combien de monde qui mourit, combien de monde qui est encore vivant, nous avons regardé son bas catastrophe. Son bagage vraiment que jamais vu dans le monde pas nous parce que nous connaissons Haïti c'est comme on dit cyclone tempérie mais ça c'est quand même c'est un drame qui était passé et là nous venons comprendre quand même c'était quelque chose de très grave, c'est pas de blague, c'est pas si cyclone capturé combien de monde là, c'est vraiment une catastrophe là pour le pays. Edson Pierre lui ou même qui était là qui t'a vécu pour moi ça parce que nous même c'est information qui t'a vécu chez nous, est-ce que c'est ton bagage qui était réel que Haïtien est venu nous Haïtien. Bon, et la solidarité, je pense que Haïtien t'a montré dans le moment. Peut-être qui ça. Parce que nous avons dit toute structure légale, que nous avons gagné, qui c'est pompier, qui c'est ambulance, qui c'est la police. Dans le moment, ça, il n'y a pas trop actif. Donc, c'était, nous avons compté que sous voisins, nous avons compté que sous le monde qui est dans la communauté avec vous. Et quand tout le monde qui veut sauver, quand tout le monde qui parle de tiens, c'est parce que tu as un élan de solidarité. Ça. Parce que le soir même, 12 janvier, pour qu'on ait aide, pour qu'on ait une communauté internationale qui te répondre, donc c'est lors des grands amours qui collent, les voisins qui ont rage, on utilise les moyens du bord pour que nous craser des coms, retirer quelques bagages pour que nous te sauver. Mais il faut comprendre que tu commences à gagner des pratiques qui étaient presque perdues. Ou t'es où ou venu en contact coup échange de plats et voisins ou manger déjà, est-ce que c'est vrai, est-ce que t'es qu'un balai ça ou effectivement dans mis temple pas ici en un moment ça après séisme. Bon, bonjour, le bon contexte économique qui gagne c'est que haïtien en Haïti vivent au jour le jour et nous ouais c'est l'entrepreneuriat gagne. Si nous disons entrepreneurial, paraît un bel mot, mais si machin qui vend dans ces bagages, si au jour le jour il fait, ça on va le consommer pour jouer, c'est là, c'est au jour le jour il fait. Donc comme imaginez, pas de marché, pas de la villa, pas de monde qui parle vendre. Prends le cas de machin pâté, peut-être qu'on a vendu pâté devant l'école. Donc pas de l'école là, donc il n'y a pas qu'à acheter. C'est chaque jour l'acheter, c'est chaque jour le revendre. Donc qui vient faire que. C'est élan de solidarité à monde qui te gagne la caillou, obligé de partager avec nous. Mais bon, si mon bâton intéressant, nous, pas gagne, nous prenons ça.
et Patrick Akrek, en fonction de ça que et de son âme, où est-ce que nous là? Mais est-ce que dans tête pas, est-ce que solidarité ça, fraternité ça, qui est gagnant, est-ce que son barré qui est continué tout jusqu'à présent? Bon, au point de vue de solidarité, parce que Haïtien même né avec ça dans eux-mêmes, puisque nous voyons que même quel que soit Haïtien parti dans un pays étranger, ils ont toujours pensé à un seul bagage pour retourner la caillou. Et dans le moment de janvier, ça, qui était un moment terrible, une date à ne pas oublier, surtout, puisque le 2 janvier, pour moi-même, ça rentrait dans l'histoire actuellement. Donc, on n'a pas Haïtien qui n'a pas oublié date ça. Et moi, personnellement, moi, tout Haïtien était vraiment solidaire. Mais maintenant, solidarité, justement, ma venir. Le mot solidarité, hein, nous parlons de gaspillage tout, qui fait la donne. Parce que nous avons contribué, même dans le pays étranger, nous avons des monde qui étaient pensés avec le pays. Nous, parce que le 2 janvier, tu es doué, marqué, et on capable de dire on Haïti le lendemain, on Haïti meilleur. Et nous avons que, donc après 10 ans, je dis alors, encore. Alors, on va dire un bagage qui est important là, et par contre, c'est son absurde. Donc, ça veut dire que, et même dans le pire état que Haïti est là, je t'ai qu'à profiter davantage, donc au contraire, il y a plus de monde qui pour te faire traverser pour venir dans l'autre pays. Donc, il y a plus de monde qui te dit que, donc, au contraire, c'était le moment pour Haïti, donc, en fait face avec, donc, on est que nos vécu avec un paquet de bagages, nous vécu avec la misère, pauvreté, pauvreté, insécurité, un paquet de bagages encore. Pour une infrastructure. Voilà, donc, il y a un moment qu'en coup de 2 janvier, nous avons considéré et. Quel que soit le monde qui est dans le pays étranger, vous passez avec nous. Et je veux dire là, après 10 ans, je suis capable de constater que nous avons à peu près la même situation encore. Oui, mais. Alors, est-ce que c'est un problème atypique haïtien alors, ou. Alors, il faut dire les choses sans langue de bois. Alors, et Haïti était dans une situation déjà précaire à cette époque. Si ce n'est pas passé, l'écraser tout ça comme des gains. Mais, au fait, nous connaissons que nous avons profité de séisme. Pour Haïti, tu as changé avec qui ça? Est-ce que tu as assez d'aide qui t'est arrivé en Haïti pour te faire sortir là? Nous n'avons pas capable de mentir, nous avons dit oui, tu as une aide qui est arrivée. Mais actuellement, qu'est-ce qui est passé? Donc, bon, mettons un petit bémol dans ça, Patrick dit. Mais ça a passé. En Haïti, après ça, c'est Islam, il y a une bonne possibilité pour nous relancer son nouveau départ. Parce que le pays a crasé. Nous avons une pile sensibilité qui fait dans toute communauté internationale. Je me rappelle, je me rencontre avec une Australienne, elle dit que les gens reconnaissent que le pays qui est là, Haïti, c'est dans les news, dans le journal, et puis reconnaître. Ça veut dire que je comprends que le pays n'est pas au courant de l'existence d'Haïti. Tout à fait. Vu que vous venez en aide, donc vous venez pour être bon. Maintenant, aide là, je comprends que il y a une pile mauvaise gestion qui fait de aide là. Dans la façon de distribuer, dans souvent canal que vous utilisez pour distribuer là, il y a plein des autres qui font la donne. Mais par contre, ça pour nous garder dans l'aide là, lorsque on bateau qui est en Australie avec quelques aides la donnée, qui gagne des bagages, des produits, pas besoin qu'on ait, des produits de première nécessité qui viennent, produits pour première nécessité ça qui viennent, hein. Bateau ça a fouetté. Hein. Essence, gaz, pétrole, carburant qui est dans le bateau, ça, tout rentre dans l'aide là. Tout. Ça veut dire aide là pas seulement sur le vin, je vais le bar. Le gain 25. C'est pas produit fini. Hein? 25 volontaires qui décident de venir. Pas lui, il a fait comptabilisation tout corps bail pour Haïti. Il faut que moi j'ai fait un que vous payez. Le côté loger, il rentre dans l'aide là. Tout. Donc ça veut dire, ça me dégaine, c'est que dans le moment, le matin c'est fort. Mais pas de gars qui arrivent à joindre vraiment le peuple là? C'est pas arrivé, pas arrivé à joindre le peuple là. Non? Mais dans le moment, les gens qui étaient là et pour ta canaliser là, ils viennent vraiment. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Non, explication. Faut que nous clair, parce que nous ne pouvons pas être nous mentir. Et parce que je ne vais pas faire politique. Même qu'on ait gagné des confrères haïtiens qui utilisaient Etsaïo et Ouvanyo. Je veux dire là, on a posé une question, est-ce qu'il est normal qu'il y ait une aide qui est livrée à une population qui a le besoin et où il y a des autorités qui prennent le cap vendre. Je ne sais pas si on comprend. C'est des faits. Problème de conscience. Je veux dire là, c'est des faits. C'est exactement ça, M. Zola.
gagne une très mauvaise gestion. Bah explique. Est-ce que vous avez une bonne attente ou bien bon époque, vous avez retiré mon nom en attente, vous avez pas au cob. C'est quoi que vous avez loué Kayo qui font une location de un an. Vous avez fait, vous êtes obligé de venir à minuit parce que vous êtes absolu en tant que haïtien. Vous vivez tout. Donc, vous imaginez que l'homme, vous avez paraît dans tête là, vous êtes obligé de venir à 1h du matin parce que vous avez des gens qui ont Kayo, mais ils mettent en temps. Vu que le connaît, il est vulnérable avec tante Lia, il y a la bénéfice en bagaille. C'est très mauvais. Parce que si vous avez un cas ou pas tombé, pas crasé, et que la vie continue pour vous, vous avez un intérêt. Donc, du coup. Donc, tu as une corruption et marginale et précaire aussi dans le mouvement. Ça tout. Donc, les deux côtés. Okay. Ni côté peuple là, ni côté autorité. Ni côté autorité. Okay. Voilà. Okay. Donc, nous devons comprendre pour qui ça fait que. Même 10 ans après, et suivant information, il y a toujours qui m'attend, toujours. Justement. Donc, ça m'a dit, il y a quelques mois que j'étais en Haïti et je me suis encore mal visité, moi, de monde qui m'attend. Donc, maintenant, à nous poser la question, combien de temps on prend pour nous vivre en battant de ça? Est-ce que c'est un problème de conscience? Ou est-ce que c'est l'argent pas gagné? Ou est-ce que c'est un problème de gestion au niveau du gouvernement? Puisque nous connaissons notre traversée en crise tout par rapport avec la mentalité peuple. Hein, puisque nous pas dit le gouvernement a sa responsabilité, mais je crois que le peuple aussi a sa responsabilité. Donc, qui donc, parce que nous avons un problème de conscience, il faudrait haïtien pour ça en considération. Alors, là, nous arrivons à un moment, Laurie, pour que nous sommes capables de voir Haïti en face. Haïti, vous êtes connu, Laurie, avec Haïti qu'on y a. Qui est-ce pour vous qui voulez? Bon, moi, je parle d'Haïti, je connais. Hein? C'était à l'époque, ça date. C'était l'appel des Antilles. Pourquoi? Parce que souvenir que pour Haïti, c'est un souvenir qui est inoubliable, parce que je n'ai pas oublié. Et je toujours gardé ce même souvenir. Ça. Et malgré que je garde ça qui passe maintenant en Haïti, ce n'est pas même Haïti pour moi-même. Alors, ça m'a dit pour Haïti, je souhaité que pour Haïti, tu as changé. Et puis pour tout le monde, tu as été mis ensemble, tête ensemble pour le travail. Pour Haïti, tu as devenu des entités avant, parce que moi, mes souvenirs, ça m'a imaginé pour eux. Est-ce qu'on est sur le changement là? Il passe sur le changement là, parce que là, nous a plus plongé qu'autre chose. Moi, plongé là par rapport que j'en étais, plongé. Moi-même, pas fait politique parce que ce n'est pas un domaine. Moi-même, tu as souhaité pour tout le monde mettre tête ensemble pour nous être capable de faire Haïti devenir l'appel des entités comme il était avant. Et ça, Patrick, ce dit, sous aide, tout ça, nous avons une possibilité pour nous avancer. C'était moment. Pour nous évoluer, pour nous laisser avancer avec l'aide de Tibanois. Mais comme nous connaissons, nous vivons dans le pays, tout le monde qui a un profit personnel, comme si ça au bon moment, pour m'aider pays, nous avons pris 50% pour moi personnellement, et puis si ça crée, nous allons aider peuple là. Ce n'est pas comme ça. Oui, je suis d'accord avec vous, Laurie, mais ce n'est pas seulement dans le niveau haïtien. Parce que l'on regarde un paquet d'ONG, après 2 janvier, de nous quitter les États-Unis. Qui était en Europe, qui décide de venir faire ONG, et puis là, ils viennent, les mobiliser fonds, les autres prennent médicaments, ils balent le cob, mon adana, donc voilà, donc mon aligne tout ça. Ça, c'est une forme de corruption que nous pas contrôler. Le nègre là, ils viennent avec quelques petits médicaments, ils font des trois petites photos, ils font bel rapport, et puis ils portent l'aller. Peut-être que ça, ils doivent le faire, on pas quitter l'argent sous dos ici, parce que le fait que ils prennent un risque, ils viennent, ils font un investissement. D'accord, on a des business sociales là tout. Le fait que le pont risque de venir en Haïti, ça veut dire qu'il y a des étrangers tout, qui te profitent de Haïti. Des systèmes, non. Parce que voilà, s'il vient là, il dit ah, moi je suis en Haïti, mais qui ça me joint, mais des mounio, mais ça me te gagne un patassé là même, je voulais retourner encore, bah moi, quête, il est tout chaud. Parce que chaque fois que regarde la télévision, on voit comment la situation est, on dit waouh, je suis supposé agir. Donc là, où elle, déjà un, où on a une situation précaire, en pile, ça veut dire. Nous ces pays, nous avons dit qu'ils sont plus pauvres dans toute l'Amérique là. Donc la situation est difficile. Et vous comprenez ajouter ce problème ça. Mon cher Mbappé, ça a tout chaud. Donc du coup, il n'y a pas de fait seulement avec les Haïtiens, seulement avec l'autorité. Mais il y a un peu d'étrangers qui profitent de ça pour faire bloquer. Donc là, vous venez à peu près dans la même ligne ensemble avec moi. Nous avons parlé du problème de conscience. Parce que même. Au point de vue de diaspora, il y a des gens qui utilisent des mouvements et qui font bien maintenant pour chaud. Oui. Par exemple, des gens qui font des conteneurs pour en Haïti. Et puis... Mais qui vole l'État dans la question ça au niveau de l'État, nous avons l'État qui démissionne, il faut que nous disions ça.
Et nous avons l'État qui est démissionnaire pour plusieurs raisons. Qui ferme ou bien qui démissionnaire? On dit démissionnaire. Je ne vais pas parler le mot faible, parce que si je parle le mot faible, ça veut dire l'État existait. Si je dis à la, en plein 21e siècle, nous avons bassin Caraïbes, les amis ont fait ce deal que le pays le plus pauvre. Donc, nous ne sommes pas capables de parler d'un État qui est faible. Donc, nous ne pas dire qu'il y a un État qui n'a existé. Il faut que nous disions à l'argent que l'IA. Peut-être demain, nous sommes capables de l'État. Pourquoi pas? Et puis, comme nous disons, nous ne pouvons pas faire politique. On espère, on espère. Donc, on regarde, il y a l'État, soi-disant, alors je parle clair, bien que nous disons, nous ne pouvons pas faire politique. Il y a l'État qui voulait partir, non chemin, et pour joindre l'autre groupe monde qui est à gauche, qui a petit code là. Et est-ce que nous pouvons aller en côté avec Haïti? Non, parce que c'est son problème de conscience. Moi, je m'ai demandé tout à Haïti pour prendre conscience. Dans la journée, jeudi, on a parlé là. Il arrive en Haïti. Il y a quoi? Il y a 15 jours depuis que nous sommes en Haïti. Des jeunes de capable de 10 ans, 12 ans, que chacun a un revolver sur eux. Nous parlons d'un pays de guerre. Donc, là, c'est pas un revolver sur eux, c'est la mendicité. Ouais, tout le monde a demandé, nous avons un pays qui vraiment livré à lui-même. C'est prostitution. Donc, vraiment, des jeunes, petits monde, et puis gagner ça, nourrir les bombes qu'on est capable de dire là, et des bandits légaux. On n'a pas dit des bandits légaux. C'est-à-dire quoi? Alors, là, nous dit des bandits légaux, et ce sont des jeunes garçons, mm-hmm. et qui nous joignent des mondes qui dans l'État, qui capbaillent aux âmes. Voilà. Donc, c'est là, moi, je viens de dire que nous venons gagner l'État non, qui n'est pas responsable. Parce que si nos pays qui vraiment, okay. nos pays qui fonctionné, je pense que si nous avons l'État qui fonctionnel, l'État a supposé. Donc, ça veut dire que parfois l'État lui-même cause. Question insécurité dans le pays. Nous avons l'État qui n'a pas fait le travail, les gens qui le font. Je dis, là, on a 2, 3, 4, 5 personnes qui sont dans la rue. Les gens qui ont conseillé des armes. Nous avons un calibre qui est dans la rue, mais côté, on a des gens qui ont pas travail. Donc, il faut nous être capable de joindre une tête sous cela, capable d'alimenter. Donc, l'État n'a pas fait le travail. Et son attaque universitaire, qui ça qui t'a doué et remplacé dans les gens qui ont des armes? Qui ça t'a donné dans le meilleur de préférence? Qui ça l'État t'a fait pour renverser cette situation? Ok, avant de tourner sur cette question-là, comme moi, nous tiens élargi, nous devons arrêter dans le 12 janvier. Le 12 janvier, quand ça a interpellé, c'est parce que j'estime que je n'ai pas éduqué assez pour me comprendre quel comportement pour me appliquer pendant ces histoires-là. Ok. Un petit monde qui est en France, qui est dans ces pays, je ne connais pas. Non, en France, la dame dit qu'on est que les grands tremblements de terre, ils disent pour l'entrée en bas du bois, pour le mettre 2-2, le maîtresse la réunion pour le sortir. Il dit qu'on est 1, 2, 3, mais qui a action pour le faire. Ou même qui gagne ou pas connaît. Les gens qui perdent la vie dans le tremblement de terre là, c'est parce que soit la inaction, hein? Inaction, mm-hmm. soit les rebagas la vie, la courir entrer dans le cas là, ça fait. Même parce que pour dans 10 ans encore, mm-hmm. 2030, pour ça pas reproduire. Ça que tu as supposé faire, tu as supposé faire une campagne de sensibilisation. Mm-hmm. Campagne de sensibilisation, c'est qui ça? Dis-moi que, bon, bazo, pour le temps de terre là, dans la même année, pour le temps de terre qui passe Chili, je vais songer, qui était peut-être équivalent à la même magnitude, c'est ça? Non, de même magnitude. Hein? Voilà. Mm-hmm. Le film passé, il y a des gens qui sont morts en Haïti. Pas oublier, 200 à 300 000 personnes qui sont morts. Donc, qui ça t'a supposé, qui ça l'État t'a supposé faire? Le problème là, il était plus un problème et urbaniste ou bien un problème environnemental que le problème de tremblement de terre. Le tremblement de terre toujours passé. Et je ne peux pas garantir que le tremblement de terre n'est pas repassé encore. Qui ça t'a fait? Qui ça nous t'a doué faire? Donc, vous dites qu'il faut là toujours une possibilité pour le tremblement de terre passer en Haïti. La prophète. Mais quand il y a ça qui fait tout le monde mourir, c'est parce que nous fait toute perte ça en vie humaine, c'est à cause que construction nous très anarchique. Nous gain des montagnes de bidonville dans chaque quartier gain bidonville sous paraître devant ouais un gros caille réalité a c'est ou après deux sous côté yo yon bagay yo rele pas couloir non et gain un corridor ou passer là ou j'en un corridor et pour j'en bidonville derrière. Donc ça ouvre pas de structure pour moun pour l'État construire. Pas de permis de construire, pas de rien. Qui résulte de la guerre? Donc, avant que je arrive pour mal parler de tout problème qui est très large, qui englobe le pays, quelle est la qui est simple? Moi-même, si je souhaitais faire social dans le pays, c'est dans deux bagailles. C'est sensibilisation autour de l'environnement. Comme
Comment imaginer un monde qui est dans la ville-province, il ne pas respecter ton pied-bois. Il n'a pas qu'on important son pied-bois. Mm-hmm. Donc, qui sortait, il voulait que mon nom pour le construire. Il y a un cas qui est petit, il parlait de famille, il parlait de. On connaît l'État supposé venir là-dedans, supposé prendre responsabilité pour dire non, on pas supposé faire ça. Mes amis, on a une structure pour le mettre. J'aime tout à l'heure, quand j'aime mon affaire, il y a un petit cas. Il met deux petits poteaux, quatre petits poteaux, j'en fais, ils font un petit bas. Il n'y a pas même qu'on a pour le mettre béton. Ça veut dire dalle là, ça veut dire dalle béton. Après, il vient un petit soit touche un sol, ou qu'on est comme haïtien, on peut l'aider. Il met elle. Sans que. Il n'y a pas de faire aucun calcul en bas pour dire est-ce que le cas supporte. Étude de sol, étude de. Est-ce que la fondation a été faite à cas supporte en deuxième? Les mettre en deuxième, les mettre en troisième. Donc, l'imagine comme ça. Qui sauve le tremblement de terre? Parce que ce n'est pas un tremblement de terre là en soi. Si je bien comprendre, j'en parlais là, Edson, et puis, n'a pas rejoint Patrick avec tout et Louis. Donc, ça veut dire que l'État a tiré le son de séisme. L'État plus haïtien. Ça veut dire plus peuple là. Parce que. Il n'y a pas de aucune conséquence. C'est-à-dire que pour eux, c'est, la vie a toujours continué, même j'en étais dans les années 60, 70, 80. Après, il y a un petit changement qui fait. Parce okay. que. Ça, nous, ah, donc un changement. Un petit changement qui fait. Dans le bon sens même dans le bon sens. Dans le bon sens. Okay, ok. Parce que, il y a créé les Saint-Tubéton, je ne papa m'a fait, parce que papa me sont contre mettre lié. Les Saint-Tubéton, l'air vient faire. Gon rangé fait, yo fin mette un rangé bloc, peut-être un 4 rangé bloc. Après ça, yo mette un ceinture fait, pas son ceinture béton. Yo coule béton là, dans le fait, yo font poteau, c'est-à-dire yo font un poteau horizontal, et puis le fini, yo. En sorte de poutre. Exactement, yo vin fait le. En poutre en béton. Ah, okay. Ça vin, les plus ou moins, ça veut dire mon yo vin commencer changer, yo commencer changer. Mais vu que c'est pas un bagage qui est climaté, l'État a dit, ma bombe permet de construire ou bien un plan, mais qui s'en le faire, chaque monde peut profiter, ou même peut-être qu'il y a des moyens pour faire. Parce que ça, c'est un surcoulier, une construction de gagner. Donc on est avec fait moyen pour gagner. Donc c'est des constructions de débouille. C'est comme ça qu'on a fait, on a fait exactement ça. Et puis cependant, je ne garantis pas que dans 10 ans encore, si pas un changement, le tremblement de terre là pour faire, et il y a plus de victimes. Ça le somme de nous tirer c'est que gon pour pico problème dans l'état qui fait nous t'ai toutes victimes ça c'était un problème environnement de l'environnement que nous t'ai mal géré c'est problème environnement parce que si même j'ai la rapport au début quand il a appelé mon paquet de l'eau si construction était bon nous pas gain pied bois sous arrivé regarder tout monde là regarder c'était bidonville gon côté en face un hôtel en Haïti Pétionville hôtel là tellement belle. L'entour n'est pas qu'à l'hôtel là, mais il y a peinturé, il y a peinturé. Face à Dieu, il y a investi comme ses propriétaires hôtel, il y a peinturé. Donc, il y a gardé tout le monde dans Pétionville qui résulte au blé. Voilà, merci Edson Pierre-Louis pour tout témoignage ça. Et Patrick Akrek, ou même personnellement, nous vivons sous vous, parce que nous connaissons que vous avez un très grand aura. Et dans la communauté haïtienne non et ou gagne que ce soit en France ou gagne aussi oui, et oui. En Haïti donc ou très écouté et surtout sur les réseaux sociaux et c'est on nom c'est on voit qui fait et nous mêmes connaissons ça c'est un petit peu personnel donc on gagne quelques projets et même d'autres ambitions politiques pour Haïti si jamais que ou t'as occupé une place communale où tu avais une premier citoyen non commune ou bien non ville en Haïti comment ou même personnellement où tu as concevoir ville ça que où tu as gagné pour diriger alors encore une fois donc ça c'est un appel à la nation que m'a lancé pour tout citoyen captant de nous et oui c'est une ambition et c'est un amour que moi j'ai toujours dit. Après tout le temps que je fais dans le pays étranger, il est le temps pour moi de retourner en Haïti à le représenter pays dans n'importe quel domaine, que ce soit AZEC ou KAZEC ou maire ou sénateur, député, peu importe. Donc, moi, je prends une décision ça par amour. Et moi, je tiens à ce que moi, je connais tout. Pour ne pas avoir des problèmes là, bien souvent, on entend dire c'est le président. Il n'y a pas qu'à manger, c'est le président. Donc, il n'y a pas qu'à manger, c'est le président. Donc, problème pays d'Haïti, pas problème de seul monde, c'est problème de tout. Moi, c'est que. Solution que nous avons supposé
et proposer un problème pays là n'est pas seulement arrêté au niveau conscience parce que l'un par exemple l'autre peuple c'est pas seulement conscience mais c'est fermeté que l'État a mis structure qui gagne que au pas va faire on est qui ici je dis au pont PV ou pense au ballonger 20 ou bas policière ah c'est possible il peut ça veut dire on va penser gros nèg trop même pays taxe on va attendre combien et optimisation fiscale qui gagne en France on va attendre combien et monde qui n'a pas paradis fiscaux au Panama au paquet c'est parce qu'on ne pas même pays taxe mais c'est parce que ils mettent en structure qui mettait ça veut dire on va parler que tout ça nous mettait en Haïti on va mettre sous conscience c'est parce que bourgeoisie a pas un pays a c'est parce que intel pas non ah mettre en structure il y a un gain de fer dans on est de velours mettre en structure pour que nous ca respecter admettre un par exemple en Haïti dans pays nous au Montikai mon nando c'est exactement devant Kai pour là pour venir faire commerce là devant au Brésil rien 2-3 jours limiter deux bois mettre en titol après quelques temps c'est un gros marché son Kai son petit boutique fait devant la caille oui. Maintenant souvler le retirer devant la caille cotoyer c'est comme c'est dédommager lui parce qu'on pas caser caille et surtout pas l'état cabine caser est-ce que c'est pas un problème de modèle tout en Haïti qui fait que même l'état ou le gouvernement il prend en disposition moun yo pas disposé soumettre yo parce que yo estimé moun ki nan autorité yo pas un modèle pour yo. Bon, ça pense c'est vrai que question que vous posez à son question que moi toujours gain occasion poser question ça avec quelques sénateurs de la République, quelques ministres aussi. Mais l'essentiel c'est que ouais, même yo même yo occasionné genre de problème. Ça c'est tellement sérieux, excusez-moi. On dit peuple là pas bouler et lumière rouge là. Et vous va pas sa machine nous ou bouler. Qui côté gain, oui, côté le gain. Donc qui autorité va gain sur moun ça? Pour dire payer PV parce que ou des boulons numéro oui tandis que vous même chaque jour à faire donc c'est cela de vérifier moi je voulais lancer tout à l'heure bien que j'ai parlé de conscience Zami a dit que nous pas doué mais tes problèmes là au niveau seulement le dit seulement même nous même tout dans la diaspora nous cotiser dans problème pays d'Haïti moi bon quelques exemples même une diaspora qui descend en Haïti les quoi que lit au-dessus de tout même au-dessus de la loi. OK, c'est vrai. OK. Pour que, c'est vrai. Et au niveau de problèmes pays d'Haïti, c'est pas seulement il va jeter fatra la caille, il va jeter dans la rédial, il va être la jeter. Voilà, donc ouais, c'est ça que tu ça c'est vrai. Okay. Donc la question de conscience qu'on prend pour que on capable un changement et dans pays d'Haïti. Et d'une et nous on capable au niveau de insécurité. Nous actuellement là, donc policier, il arrête tout le monde, il traduit alors il mène une bataille à la justice. Deux, trois jours, même si la police a arrêté, il est dehors. Maintenant, il mettait vie policier ça en danger. Mm-hmm. Donc, c'est tout le système, non? Mm-hmm. Donc, pour ne pas changer. Donc, moi-même, on vient indiquer, nous venons groupe, on l'État, qui n'ont existé, parce que si nous avons l'État qui existait, l'État n'a pas conscience de tout le bagage. Et nous, il un moment, pour vous nous capable de conclure avec Patrick Akrek et Laurie Paris. Bon, qui, alors. Qui perspective vous-même pour vous voir ici? La perspective que nous gagnons, et c'est toujours font appel à conscience. Quand l'homme dit appel à conscience, il y a un ralliement par rapport avec l'idéologie et tout haïtien, et maire communal surtout. Mm-hmm. Et ça intéresse en pile. Hein? Justement. Qui a pris responsabilité, okay. Parce que pas bien qu'il est, par exemple, ou élu, ou bien nommé dans tête en commune, donc on pas capable de mettre responsabilité à sous président ou on pas capable mettre le sous député hein. Donc on pas capable mettre le sous azec là, donc c'est ou même en tant que maire en commune, donc pour prendre ça, ils pour guinder et donc ou même c'est contrairement c'est pas avantage pour aller chercher, c'est vous pour aller servir. C'est moi parce que si chaque haïtien était pensé même gens que moi penser même gens que vous pensez, ça t'a peut-être sauvé. Penser à moins avantage plus penser à servir. Voilà, avant de penser pour un corps maintenant, pour vous penser avec le monde qui dans le besoin. Par exemple, vous pouvez être capable de gagner la pique pour tomber et ça va être capable de tuer quelques monde par rapport avec l'eau qui est venu. Les gens qui habitent beaucoup de canaux, éviter qu'ils habitent là. Il y a des gens qui mourent comme ça. Donc, c'est une conscience morale. C'est pas facile de voilà, donc, on pense même les personnes. Oui, je parle d'éducation. Il faut que vous éduquiez pour que vous attendiez. Si vous n'avez pas éduqué pour le tendre, vous ne pouvez pas attendre. Donc, bon, gros responsabilité qui a pesé sous épaule. Patrick,
ou grand pile vous a dit, c'est notre prochaine émission Afkadio. On a conclu avec Laurie tout. Laurie, qui perspective vous en quelques mots pour Haïti dans 10 ans qui a venu là encore? Ah ben bon, ma je viens de Monsieur parce que je me trouvais très bien parlé. Et c'est deux monde qui connaissent Ayabdi. Et malgré les sentiers tambour moi pour me parler, c'est pas ça. Baba est menti. Préfère non, Baba nous menti parce que c'est nous vraiment, non, non, c'est pas c'est pas problème, c'est pas problème. C'est pas problème parce que monsieur on sait parler. OK, tout à fait. Ça qu'a parlé de politique, un petit peu politique, ça qu'a parlé des choses vraiment surtout éducation, c'est quelque chose qui est vraiment important et nous tous avons besoin de ça. Et puis éducation, c'est pas qu'à l'école apprendre à lire à écrire, c'est pas c'est, ça. C'est sont ensemble liés. C'est tout ça moi comme ça. Instruction et éducation. Mais tout ça sont ensemble liés parce que nous avons besoin de ça. Son package. Voilà. Nous avons besoin de ça. L'homme tellement trouvé monsieur tellement bien parlé moi même personnellement, m'ta vraiment à l'écoute, m'a écouté tout de. C'est comme son débat et puis m'ta très content m'était là et puis comme t'as dit pour conclure avec moi et puis m'a souhaité que pour qu'on s'y parle parce que parler c'est l'Orient. Non, c'est ça que fait l'Orient mal. Non, c'est symbole pays. C'est symbole pays. Donc, on souhaite vous reconstruire. Non, bon, on ne peut pas les parler parce que vous connaissez que beaucoup de gens sont morts dans ma tête là. Je ne peux pas parler parce que monsieur, en antenne, il y a en antenne, il y a pas de risible. Non, mais pas un problème, ce n'est pas un problème. Parce que moi, je suis quand même qui marque mon pile, je ne peux pas retourner sur ça. Et vraiment, je souhaite quand même pour le pays aller prendre le colis, pour le gouvernement de mettre tête ensemble pour le travail. Et puis pour ne pas prendre ça pour nous aider là pour mettre dans la poche. Là où on va pour aider, c'est aider pour aider le peuple là, c'est pas mettre dans la poche pour. Et puis ça, je souhaite pour le pays pour l'avancer, pour l'évoluer. Et puis là, nous allons à Haïti pour nous faire une belle émission en Haïti. Merci beaucoup, Laurie. Merci à vous tous et nous-mêmes qui avons accepté. Invitation H Live pour nous témoigner. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition spéciale Cap vers l'avenir, édition spéciale séisme, 10 ans déjà. Nous remercions tous ceux qui ont pu participer, surtout nos intervenants sur le plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation de venir témoigner également, de faire de bonnes perspectives d'avenir. Pour Haïti, vous qui nous avez suivis, merci encore une fois à vous. Merci à notre réalisateur, Richardson Morin, de nous avoir bien réalisé cette émission. Quant à moi, on se retrouve dans une autre édition de Cap vers l'avenir sur la seule chaîne et unique de la communauté haïtienne.